Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Younes et de Myriam. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous avez la pêche aujourd'hui? On est bien, je suis en t-shirt du PSG qui font que de perdre en ce moment avec Dembélé qui fait n'importe. Non, je rigole, Dembélé, je te kiffe. Mais on est en forme, alhamdoulilah. Aujourd'hui, il se passe une dinguerie, vous n'êtes pas prêts. Donc comme vous le savez, il y a le nouvel iPhone 15 qui sort. iPhone pigeon. Ouais, tous les ans, 15. Un nouvel iPhone, mais c'est toujours le même. Et qui dit nouvel iPhone qui sort, dit nouveau défi pour un de nous trois qui va l'avoir. Ça? Mais... Attends. Il y a un de nous trois qui va avoir l'iPhone 15. Ouais, un de nous trois qui va avoir l'iPhone. D'ailleurs, dès à présent, mettez pause et mettez dans les commentaires à votre avis qui va gagner. Donc Yacine, Myriam ou Younes, vous allez voir jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai l'argent de Younes. Déjà pour commencer, pourquoi tu devrais avoir un iPhone 15 toi? Parce que déjà j'ai un téléphone tout pourri, il marche même pas, c'est pire qu'un bigot. Donc voilà. Ok, et toi pourquoi tu devrais avoir un iPhone 15? Moi les frères, je suis youtubeur comme vous le savez, j'utilise mon téléphone tous les jours, j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Les gars, je suis vraiment mal à l'aise parce que ça va me faire mal de savoir que je vais gagner alors que eux ils en ont vraiment besoin. Aïe. Le défi est simple. La dernière personne qui mange et qui boit gagne l'iPhone. C'est-à-dire personne va devoir manger ni boire. Si par contre Myriam, je donne un exemple, elle se cache et nous Younes et moi on la voit pas et elle mange, tant mieux pour elle. Mais si nous on te voit, c'est éliminé. Ok, faut pas se faire péter en gros. Donc je vous check pour lancer le défi à partir de maintenant. C'est parti. La famille, on a le droit de manger son doigt. Mettez dès à présent un like et abonnez-vous, ça va être chaud. On a le droit de manger son doigt? Non, t'as le droit de rien manger. On commence la journée, je suis fatigué, y a pas d'énergie. Elle me saoule pour aller à Décathlon. On va faire quoi Décathlon? Bah en fait, moi je me suis inscrit à la gym depuis et il faut que j'achète ma tenue de gym. C'est vrai que pour elle intelligente, c'est pour elle intelligente, Younes. Ouais. Elle veut nous user physiquement, comme ça on est obligé de boire ou de manger. Attends, mais t'es inscrit à la gym, vous faites quoi à la gym en fait? Des trucs comme ça. Non, quoi, ça, décale-toi. Vous faites quoi? On fait ça. Hey Younes, t'as un petit creux là-bas, il y a des trucs. Hein. Ah ouais, Younes, ça décrêpe. Oh, des beignets ou un iPhone? En vrai, venez, on va voir vite fait. Il y a des gaufres. Est-ce que tu payes ta gaufre, ton beignet? Ouais, je te paye si tu veux. Tu payes tout? Je te paye tout. Il y a des churros aussi. Vas-y, si tu prends, wallah, je te paye. Myriam, 100, 100. Ça sent grave bon. En plus, il y a des churros aussi. En plus, les beignets sont balles. Hey, y a un iPhone à gagner, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y. Les gars, si YouTube ça marche plus, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça comme métier. Regardez, déjà lui il commence frère, mais qu'est-ce que tu fais gros? Toute la journée je reste comme ça et je suis payé en vrai mannequin. Mettez-moi des habits Décathlon et je reste comme ça. Je pense qu'il est payé combien lui à droite là-bas? Lui 500 et 400 parce que lui Mskane il a mis la casquette, c'est un petit. C'est une femme déjà. Ah, j'avais même pas vu que c'était une femme. My bad, pardon, excuse-moi. La gym, c'est ça que vous avez besoin? Mais non. Un kimono. Mais ça c'est pour le karaté. Mais c'est pas pour la gym ça? C'est pas du karaté? Mais non. Mais du coup pour la gym, je sais déjà en faire du karaté, regarde. C'est du judo ça. On arrive au rayon gym, regardez ce qu'elle sort. Mais ça c'est pour faire de la musculation, des tractions. Tu mets ça sur tes mains pour pas avoir les mains abîmées. N'importe quoi. Mais si. Pour les gymnastes, dis-lui, ça sert à quoi? Ça sert à faire les barres. Et pourquoi ça coûte 29 euros? À Décathlon, normalement ça coûte 5 ou 6 euros. On prend pas ça. C'est pas si quoi? Bah oui. Vas-y, prends ce que tu veux prendre là. Donc là, elle a choisi. Ça. Elle a choisi. Mais ça ressemble grave à un maillot de bain ça. Elle est. Dieu merci que je suis pas une fille, que je fais du foot, je dois pas mettre des trucs comme ça. N'importe quoi. Hey, j'ai la haine contre les personnes que t'appelles pour faire des city, ils viennent comme ça en TN. Ouais, j'avoue. Comment vous voulez jouer en TN? C'est impossible. T'as rien à faire des trucs en TN. Ich. Myriam, prends-lui la balle. Ich. Un VS1. Yacine, il va la tuer. Ok, t'es prêt? Juste un dernier truc. Dernier truc. Tu vas faire quoi? Vas-y, dernier truc. Non. Et on la prend. Oh, il t'a mis ton petit pont. T'as vu, y en a, ils sont destinés à faire de la gymnastique, d'autres ils sont destinés à faire du foot. Chacun son domaine. Tu fais quoi, Yacine? Moi j'ai pris des rollers. Il va faire du roller. Je vais vous montrer c'est quoi les bails. T'es ça là? Non, mais rien, prends pas toi, ça sert à rien toi. Toi tu sais pas en faire, ouais, on a déjà vu l'autre fois, voir si c'est en faire. Vas-y, Yas. Bah tu vois, lui il sait en faire. Moi j'ai fait ça. Oh. Voilà, montre. Il y en a qui savent tout faire dans la vie. Il y en a qui savent tout faire dans la vie, d'autres qui savent rien faire. Oh lolo. Yes. Oh. Yes. Par contre, je sais pas comment on freine. Hein? Comment on freine? Pour freiner, regarde, t'as des gros pains en raisin devant là. Ok, je vais essayer de faire une longueur. Ok, c'est bien. Okay, je pense que le roller, tu me laisses 2-3 semaines, Je tartine, hein. J'ai un truc à te proposer, Younes. Ouais. Si je mets le paillet de tout là-bas, je dois boire de l'eau. De tout là, t'as qu'un essai. Tu choisis où je me mets, tu choisis l'angle. Ok, et si tu rates, j'ai quoi? Bah si tu rates, y'a rien. C'est juste un défi à te proposer. Recule d'un pas encore.
Voilà, c'est bon. Si je le mets, tu joues le jeu. Hein. Ouais, je joue le jeu. Mais t'as qu'un essai aussi. Ok. T'es serein? Je vais... C'est sûr que je le mets, il va boire de l'eau. Là, dis-toi, ça se joue entre nous deux, là. Prête? Ouais. Ah ça frère. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte du magasin, on va se faire virer là, on y va. Allez. Après Décathlon, on fait quoi ici Yacine? T'inquiète, ouais. Fais-moi confiance. Non mais on doit pas manger. Oui mais fais-moi confiance. Mais on va aller faire un petit tour à Burger King. Parce qu'en fait, je voulais vérifier un petit truc vite fait avec Myriam. Toi t'as un plan d'air à la tête toi. Et ouais. Oh les frères, c'est blindé, ils ont de la chance de pouvoir manger. Il y a grave du monde les gars. On fait quoi ici du coup? Donc là, on va essayer de chier Myriam pour qu'elle mange. Tu veux l'éliminer en premier? Ouais. Donc là on est à la caisse. Qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas. Myriam. Tu fais quoi Yacine? Je vais juste te montrer un truc. Regarde, incroyable, regarde, petite fin. Yacine c'est un gamin. Regarde, on a quoi? On a le Kingfish. Le Kingfish, il est revenu. Il y a le Kingfish. Oh my god. T'as pas envie de tester? Ça peut être incroyable. Ouais, je me rappelle, la dernière fois que j'ai mangé un Kingfish. Myriam, c'est comment? Je sais pas. Ok, tu sais pas, regarde, attends, laisse-moi pour toi, tu vois. Il va lui faire une composition. Hey, t'as un haggar Yacine. Hey, Myriam, je te fais ta commande, d'accord? Myriam, c'est comment? Tu vas craquer dès le début. Il y a des burgers mystères. Oh burger mystère, du coup ça tu veux dire genre tu commandes un truc. Ça peut être au poulet. Ah non, oui, ça peut être au poulet. Tu peux demander veggie. Burger mystère, veggie. Myriam. Oh wesh, il y a des poutines. Il y a des poutines. Regarde là. Oh la dinguerie Myriam. Une fraise double cheddar, tu veux ça? Ok. On va craquer dès le début. Tu veux quoi comme boisson? Ice tea? Ok. Là maintenant c'est le moment décisif. Est-ce que tu confirmes ta commande ou pas? Est-ce que tu veux craquer maintenant ou pas? Écoute Myriam, tu sais très bien qu'on n'a pas l'occasion de venir tout le temps au KFC. Ça veut dire là... On est au Burger King. Au Burger King, pardon. Ça veut dire là, profites-en, mets-toi bien, prends un bon burger, ça va être incroyable. Et après, l'iPod, t'es petite encore. Quand tu grandiras, tu pourras l'avoir. Tranquille. Alors, c'est comment Myriam? En vrai, non. Ah, elle veut pas, elle a dit, elle veut pas. Annule tout. T'as marqué, tapez si vous êtes toujours là. Myriam, on est toujours là ou pas? On tape? Myriam, viens, on part, on craque pas maintenant. Vas-y, viens, on y va. Elle veut son iPhone, frère. Quoi? Hey, Younes, est-ce que tu sais qu'au Grec, ils ont sorti le nouveau soufflet? On en parlera après, Yacine. Ok, pas de problème. Rem, elle a pas craqué maintenant, mais vous inquiétez pas, je vais l'avoir. J'ai pas dit mon dernier mot. Dans la bouffe, moi, je suis le boss. Vous allez voir, vous inquiétez même pas. Myriam, franchement, t'as été fort, tu m'as choqué. Attends, mais pourquoi elle monte devant? Bah, parce que tu m'as piégé, voilà. Bah, t'es puni, elle a dit t'es puni. Donc là, ce qu'on fait. Recule pas, si je tape, elle regarde mes genoux. On va un peu à la maison se reposer tranquille et on voit ce qu'on fait. Ouais. A few moments later. Un grec avec des filets aux fiches. Mais si t'es KO, descends, va manger. Faut pas qu'on se mette en danger. Va manger, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Va manger si tu veux. Je suis dans la chambre à Myriam. Oui. Un truc de ouf. Je vous rappelle, on a fait 24 heures dans la chambre de Myriam, on l'a encore amélioré. On lui a mis la PS4 dans la chambre. À chaque fois, elle me disait, Younes, je peux jouer à la Play 4 dans l'autre pièce. Moi, je fais mes montages. Du coup, je lui ai dit quoi? Prends la Play pour l'instant, la mets là. Tant qu'elle travaille bien à l'école, elle fait pas de bêtises. Du coup, c'est carré là, t'as la play. Elle a le petit truc de One Piece, regarde, elle m'a pris. Ah, attendez, on a oublié de dire bonjour à Pistache et Pistouche. Ça va ou quoi, les gars? Non, je les ai appelés Billy et Baloulou. Billy et Baloulou, c'est qui Baloulou? En tout cas, Baloulou, elle est bien propre. C'est lui? Ouais. Ça va, Baloulou, check. Ouais, voilà, et il m'a checké. Qu'est-ce que t'en penses de ton setup? Tout est bien, c'est bon, on peut y aller? Par contre, j'ai un problème. Le problème, c'est que quand je joue à Fortnite, en fait, comme ça, et ben j'ai mal au cou. Bah, je sais pourquoi, parce que la télé elle est en haut et en mode. Mais c'est pas fait pour ça, normalement, là, tu dois jouer en étant allongé ici. Non, elle doit jouer comme ça, elle a pas sur ta manette. Tu dois jouer comme ça, debout, comme ça, tu dois jouer. Non, moi je pense qu'il faut jouer allongé. Ou allongé? Oui, il faut jouer allongé dans mais les trucs comme ça. Mais comme ça, je fais jouer à tous mes kills. Bah ouais, logique. Bah vas-y, on va te laisser jouer, à tout à l'heure, ma fille. Vas-y. Donc Myriam, elle est dans sa chambre, je voulais aller aussi dans ma chambre pour passer le temps. Mais il n'y a plus de PC, les frères, il n'y a plus de PC. Oh yo, il est où le PC? Il est en réparation, il est cassé, j'avais oublié. Il a trop le seum, tu l'as acheté depuis pas longtemps. Bah ouais, là il est reparti en réparation parce qu'il est mort, je sais même pas ce qui se passe. Fais ton pain, j'ai fait ton pain. Oh, arrête, t'as fait ton premier top enfin. Pourquoi tu mens? Tiens, bois de l'eau, tiens, bois. Pourquoi bois. Tu me donnes de l'eau? Bois! Non, je veux pas. Bois! De retour dans la voiture, les Rey. Là, on va aller faire des courses. Là, je me sens pas bien. Tu te sens faible, hein? Bah, vas-y, t'inquiète, après, on va rentrer à la maison se reposer. Vas-y, allez-y, je vous rejoins. Maman, elle a dit, elle voulait quoi? Des amandes, et je sais pas quoi, là? Des œufs, des amandes, du lait, je crois. Rey, Myriam, elle est sur le point de craquer. Je crois que Myriam, on va l'éliminer maintenant. Eh, hey, Myriam, te prends pas la tête. En tous les cas, elle va pas gagner, c'est sûr. Vas-y, tu sais quoi? T'autorise à prendre ce que tu veux, je paye. Prends ce que tu veux. On est d'accord qu'elle va pas gagner, Yacine. C'est impossible. C'est entre toi et moi. C'est impossible. Avec son petit corps, elle peut pas résister. En vrai, je pense que je vais d'abord prendre du Fanta. Ok, Fanta. J'ai envie de prendre ça, mais il n'y en a pas beaucoup dedans. Comment ça, il n'y en a pas beaucoup? Mais t'es toute seule. Frère, il y en a combien? J'avais fini en une journée. Bah, c'est déjà bien. Vas-y, prends, t'inquiète, arrête, prends autre chose si t'as envie. Bien, je te l'ai choisi entre ces deux sandwichs là.
On a soit thon tomate œuf ou soit emmental crudité. Bon, derrière, il y a bacon aussi, mais c'est pas pour nous, ça. Du coup, tu choisis quoi? Celui-là. C'est bon, tu fais ton plaisir, hein, il n'y a pas de problème. Allez, ça part. Allez, on y va, on va les acheter. Mais est-ce que tu es sûr? Je sais pas, en vrai. Là, dis-toi que tu vas abandonner, il n'y aura plus d'iPhone. Hein. Elle est sûre, elle a dit, Yacine au magasin, arrête, qu'est-ce que tu me fais, là? Donc là, là, si tu manges ou tu bois, c'est fini pour toi. De toute façon, tu gagneras pas, Myriam. Je vais te le dire concrètement, je suis pas prêt de manger, Yacine non plus. Ça donne pas envie, ça, Younes? Non, c'est, je m'en fous. Ok, bah du coup, tu veux manger ou pas? En vrai, ouais, parce que j'ai faim. Vas-y, tu veux commencer par quoi? On a soit un sandwich, soit du Kinder. Allez, attention, va-t-elle abandonner? Est-ce qu'elle nous prend? Je te laisse Vas-y, avec eux, là, on peut jamais rien faire. Vas-y, là, on va jamais rien gagner avec eux. Mais c'est les règles. Un téléphone comme un Big Way, ils ont même pas de pitché. Ah, c'est la vie, moi, bismillah. Yes! Myriam éliminée. Myriam officiellement éliminée, elle est hors de course. Du coup, ça se joue maintenant entre Younes et moi. Là, il y a Istanbul, il y a le grec. Hein. Je te promets, je te paye ton grec si tu veux. Tu me payes mon grec? Je te paye ton grec, frère, si tu veux. Mais tu crois que je vais changer un grec pour un chicken? Il y a des chicken au four et des trucs de fou. Non, je te promets, c'est bon, je te paye. Bon, je veux pas. C'est bon. T'es sûr? Non, je veux pas, Yacine. Merci. Tu sais que j'en ai déçu plein. Mais regardez, les gars, mon petit corps. Comment vous voulez que je lutte contre la faim? Eux, ils font le ramadan et tout, c'est normal. Bon, on va tester les moitié vanille et moitié chocolat. Je crois que c'est un nouveau en plus. C'est vrai quoi? Je sais pas si vous connaissez, genre, c'est des sortes de mammouths et dedans il y a du chocolat. Ça y est, j'en peux plus, j'ai besoin de sucre. De toute façon, ils vont pas me griller. Non, il vient pas, il me grille pas, c'est bon. Eh hey, les gars, voilà. Trichez pas. Votez pour Yacine, votez pour Younes. Vous pensez qui va gagner l'iPhone 15? Yacine ou Younes? Votez pour un des deux dans les commentaires. Mais trichez pas! Trichez pas, je vous vois! En cette journée, j'ai pas eu le temps de faire ma musculation à cause de monsieur avec ses vidéos là. Donc là, je vais y aller. Viens. Tu vas faire quoi? Tu fais quelle partie du corps? Si tu fais les jambes, c'est mort. Non, je vais faire tout le haut du corps. On fait les bras, on fait les pecs, le dos, les épaules. Ouais, mais je m'en fiche. Vas-y, je suis chaud. Et par contre, ça va être dur ou pas? Ah, ça va être vraiment dur la séance. Une note de 1 à 10, comment ça va être dur? Ça va être dur à 9,5 sur 10. Ah, vas-y, sans moi, smahal. Ça va aller, sans moi, je me repose. Ah, parce qu'on mange pas et on boit. Mais pendant le ramadan, on fait des séances de sport. Ah, mais là, c'est 9 sur 10, ça va aller. Hein. Bah, vas-y, partez, fermez la porte. Fermez bien derrière vous. Vas-y, ça. Et vous me dérangez pas surtout. Hein. Non, moi, je vais rester pour admirer. Non, vas-y, j'ai besoin de me concentrer, Myriam. Vraiment, sortez. Sortez. Tu manges pas. Mais non, je vais manger quoi? Je vais manger des haltères. Ouais, ça va casser une nourriture, attends. Petit contrôle. Je te mets rien sur moi. Lève les bras. Fouille. Y'a rien, vas-y, va rejoindre. Ta bouche fais A. Ah. De toute façon, on va bien le surveiller, lui. Vous allez voir, dans quelques temps, on va rentrer dans la salle de sport. Il va être en train de manger, c'est sûr. Ça fait quand même longtemps qu'Younes il est pas là. Hein. Ouais, mais lui, c'est un sportif, il a l'habitude, t'inquiète. C'est bizarre, hein, je vous promets que c'est louche. Une araignée. C'était un point. Mais imbécile. Tu penses qu'il est pas en train de manger? Non, en vrai, on va aller le surveiller parce que c'est trop bizarre. Ah ouais, on va l'espionner, on sait jamais s'il boit ou... Myriam, si tu me fais déplacer pour rien, je te promets. Hein, je suis fatigué, j'en peux plus là, vas-y, viens. On y va. Ça fait que de boire devant nous. J'espère pour toi que tu me fais pas déplacer pour rien, t'es sûr? Attends, il fait quoi? Cache-toi. Il boit pas. Hey, regarde, il y a une bouteille d'eau sur le truc. Regardez les gars. Cache-toi. On va essayer de le voir en flag. Il va boire. Il a bu. Hey, tu fais quoi? Hey, oh. Hey, oh là là. T'as bu de l'eau? Non. T'as bu de l'eau? J'ai fait ça. T'as bu de l'eau? J'ai pas bu! T'as bu de l'eau! Non, j'ai pas bu, arrête les gars! Mais vas-y, je me t'as fais bu de l'eau! T'as bu de l'eau! Hey, attends, je pense qu'il a, il a bu avant aussi! Ah ouais, parce que regarde, elle est à moitié truquée! Attends, mais t'avais dit qu'on a le droit de pas manger! Non, pas de manger ni boire! Oh là là! Et la meuf, elle parle avec moi au bout d'une heure de tournage. Elle a été à Carrefour. J'en peux plus. Eh, c'est bon, frère. J'ai juste bu de l'eau. Je fais du mais sport. Mais il est plus petit que je toi, il a gagné. Je fais du sport. Il est plus petit que toi, il a gagné. J'ai fait du sport, j'avais soif. Il est là, il fait rien. Il fait rien toute sa vie. T'as rien qu'à faire comme lui. Après, machallah, c'est bien. Toi, t'es fort. Je sais pas comment tu fais. Mais je vais te prendre l'iPhone, y a pas de problème. Et. Regarde, suite à ce tournage, j'ai grave séché. Oh, on voit tes abdos. Ça se voit? On voit tes abdos. Franchement, ça fait plaisir. Mais j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. La famille, j'espère que ça vous a. Bon, j'arrive plus à parler, Myriam.
Viens, on fait un test vite fait, mets-toi en face de moi, viens, on fait pouce-pouce. Attends, attends. Je suis sûr qu'elle me bat à pouce-pouce, les gars. C'est sûr que tu me bats à pouce-pouce. Viens, mais c'est un truc de. Arrête, ça y est. Wesh, c'est un truc de malade. J'ai plus de force. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Mettez un like pour moi, pour me redonner de la force. En tout cas, la famille, dès que je reçois l'iPhone, je vous tiens au courant. Vous inquiétez pas, je vous ferai des stories sur Snap. Venez me suivre là-haut. Tac. Eh, et si je te fais voler jusqu'en Italie, tu penses que tu voles? Je pense, hein, si je saute à tout moment. Attends.